Et voilà, on vient d'arriver au Mexique. On va faire 2 semaines dans le Yucatan. Donc le Yucatan, c'est une péninsule. Elle sépare le golfe du Mexique de la mer des Caraïbes. Alors on a loué une voiture et on va faire à peu près le tour du Yucatan. Et la première étape du voyage, c'est Isla Holbox. Donc c'est une île à 2 heures de voiture de Cancun. Après, on doit prendre un petit bateau pour y arriver. La chose à faire ici, c'est se reposer et faire de la plage. Voilà, c'est de rien faire. Mais il y a quand même un petit endroit à visiter, c'est Punta Mosquito. Et c'est un banc de sable qui est un petit peu immergé, ça dépend des marées. Et ça fait des superbes prises de vue. C'est magnifique. C'est le paradis ici. Voilà, comme ça on aura la recette du guacamole officiel mexicain. Un peu d'oignon, un peu de tomate et de piment. Un peu de poivre. Muchas gracias. Deuxième étape de notre voyage, on vient d'arriver à Valladolid. Alors c'est une petite ville qui est au centre du Yucatan. C'est environ à 2h30 de voiture de Isla Holbox où on était avant. Et derrière nous, c'est le couvent San Bernardino. C'est le début de la soirée là, parce qu'on a passé l'après-midi à faire des cénotes. Donc en fait, c'est un peu comme des gouffres qui se sont créés. Et à l'intérieur de ces gouffres, il y a des gros bassins. Et puis on peut souvent se baigner, c'est magnifique. Alors il y a des stalactites des fois. Des fois, il y a des lianes qui pendent dedans. C'est vraiment une atmosphère superbe. Et maintenant, on va visiter Chichen Itza. Alors Chichen Itza, c'est une ancienne cité maya qui était habitée. Et le monument qu'on voit sur toutes les photos, ça s'appelle le Castillo. Au Mexique, il y a plein de spécialités. Et une des spécialités, elle est toute simple, c'est le poulet grillé. Et là, on va tester ça sur le trottoir. Ça a l'air vraiment pas mal, assez authentique. On est à Piste et on vient de finir la visite de Chichen Itza. Et voilà, le poulet grillé, il vient avec du riz, tout simple. Une petite soupe. Et du piquant. Alors on est parti de Chichen Itza et on va rejoindre Mérida. Et en route, ce qu'il faut voir, c'est Izamal. Donc Izamal, c'est situé à peu près à 1 heure de voiture de Chichen Itza. C'est une petite ville avec un très joli couvent derrière nous. Alors on va voir ce qu'on va découvrir. Alors là, on est devant un petit stand de rue de Marquesitas. Voilà. La traditionnelle, c'est de queso de bola et combinada. La traditionnelle, c'est avec du fromage. Sinon, on a aussi du Nutella. Et je pense que ça, c'est du lait condensé. T'as choisi ? Ouais, Nutella. Alors en gros, ça se fait un petit peu comme une gaufre. Il met la pâte là.
Gracias. C'est comme une crêpe, un peu croustillante. Très croustillante. Très bon, hein. Et voilà, on vient d'arriver à Mérida. Alors Mérida, c'est une ville relativement importante parce que c'est la capitale administrative du Yucatan. Alors c'est une ville de passé 900 000 habitants, donc c'est vraiment une très grosse ville. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas de bâtiment en hauteur. Donc elle est très étendue, la ville. Alors là, on est sur l'artère principale qui s'appelle Paseo Montero. Mais il y a aussi plein de petites ruelles coloniales avec des maisons colorées. C'est très charmant à visiter. C'est parti! Une autre spécialité culinaire ici dans le Yucatan, c'est une boisson. Alors c'est ouvert, c'est comme ça, c'est très rafraîchissant. En fait ça s'appelle une agua de chaya con limón. Alors chaya c'est une plante, c'est une herbe verte qui donne la couleur à la boisson, et dedans ils mettent aussi un petit peu de citron, et c'est ultra rafraîchissant, c'est magnifique. Okay. Santé. Aujourd'hui, c'est une journée de route. On part de Mérida et on va à Bacalar. Entre Mérida et Bacalar, il y a une zone archéologique à visiter qui s'appelle Mayapan. C'est un peu Chichen Itza en version miniature. Et en plus, on peut monter sur les pyramides. C'est cool, hein? Alors, c'est assez raide, hein? Ça va? Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire à Chichen Itza, c'est monter tout en haut. Toujours en chemin pour Bacalar, et là on a décidé, mais on ne sait pas si on a bien fait, on a décidé d'aller voir un cénote qui est vraiment reculé. Donc là on est sur une piste, il y a 3 km de piste à faire avec notre voiture de location. C'est le cénote No Mozon. Et il a l'air vraiment très beau et très peu fréquenté. Ça se coupe quand même, ça se coupe pas mal. Hein. Bon là ça fait bientôt 20 minutes qu'on roule sur cette piste cabossée et on n'est toujours pas arrivé. C'est presque un peu stressant. Surtout qu'après on a encore presque 4 heures de route pour aller jusqu'à Bacalar. Alors faut pas qu'on traîne trop. Et voilà ce superbe cénote de No Mozon. En fait il y a des lianes qui tombent avec de l'eau super belle bleue là-bas au fond. Et on peut se baigner dedans. Alors c'est parti!
Alors ça valait vraiment la peine, hein, ce cénote de Nomozone. Waouh. L'accès est vraiment compliqué. C'est une piste sur laquelle on roule pendant 30 minutes, c'est vraiment cabossé. Hein. Mais à la fin, on a ce cénote superbe, très naturel. Il y a une petite passerelle en bois pour accéder, vraiment très artisanale. On aurait dit que ça allait tomber à chaque fois qu'on marchait dessus. Et il y avait quelques plongeurs bouteilles, sinon il n'y avait personne. C'est vraiment superbe, ce sera peut-être le plus beau cénote du voyage. On verra, la suite nous le dira. Bon, maintenant il y a une grosse route jusqu'à Bacalar, 3h45. C'est parti! D'arriver à Bacalar. Alors c'est tout au sud du pays, c'est tout près de la frontière avec le Belize. Et ici à Bacalar, ce qui est magnifique, c'est la lagune. Donc là on est dans la lagune de Bacalar. Et ce qui la rend si belle, c'est toutes ces différences de couleurs. Ça passe du vert au bleu, au turquoise, c'est vraiment très beau. Il y a aussi des formations, par exemple le canal des pirates, qui est un peu plus profond avec un bleu différent. Bref, c'est vraiment superbe ici. Et nous on a pris l'option kayak. Donc on est parti depuis notre guest house. On a fait du kayak pendant 45 minutes et on est arrivé ici au canal des pirates. Il y a aussi quelques cénotes qui font partie de la lagune. Et c'est toutes ces différences de couleurs, différences de teintes, de bleu qui sont superbes à voir. Vraiment un coup de cœur. C'est parti pour la visite de la lagune! On est toujours à Bacalar et là on part pour Los Rapidos. Alors c'est les rapides de Bacalar. C'est situé à peu près à 20 minutes de voiture du centre de Bacalar. Il y a un courant qui est assez fort. Ça a fait une formation géologique, ça s'appelle des stromatolites. Et c'est super beau, l'eau elle est transparente. Il y a des possibilités de louer aussi des kayaks, mais nous on va juste se baigner, se laisser transporter dans ce courant. Ça va être superbe. C'est parti! C'est parti! Une autre spécialité ici au Mexique, c'est les quesadillas et les empanadas. Les quesadillas, c'est un tacos de maïs qui est fourré avec du fromage fondu et de la viande ou différentes garnitures. Et tout ça, c'est cuit à la poêle. Et les empanadas, c'est la même chose sauf qu'elles sont fermées. Alors voilà,
Bon appétit. On vient d'arriver à Touloum. Alors, à Touloum, l'attraction touristique principale, c'est des ruines mayas. Et la particularité de ces ruines, c'est qu'elles sont situées vraiment sur la côte. Donc, il y a un accès direct à la mer avec une petite plage. Et c'est ça qu'on va visiter pour commencer ici à Touloum. Les ruines elles-mêmes sont moins impressionnantes qu'à Mayapan et qu'à Chichen Itza. Mais ça vaut quand même la peine, c'est très joli, notamment la végétation qui change pas mal. Donc il y a plein de petits arbres tropicaux un peu partout. Bien sûr, il y a beaucoup de monde, hein, c'est ultra touristique. Et nous, on est venus en vélo. Ça, c'était vraiment une bonne idée parce qu'on évite de payer le parking. Et surtout, la complication de garer sa voiture, de se faire guider à gauche, à droite. Et là, avec les vélos, on peut venir devant l'entrée. C'est gratuit et on n'a plus qu'à payer l'entrée. Et l'entrée, c'est seulement 80 pesos mexicains, donc c'est pas du tout cher. C'est parti pour la visite des ruines de Touloum. Une autre spécialité ici au Mexique, c'est l'incontournable burrito. Alors un burrito, en gros, c'est une pâte, une sorte de crêpe salée. Et à l'intérieur, on peut mettre soit du poulet, des crevettes. Et ça vient aussi avec une sauce chipotle. Donc c'est une sauce de jalapeño séché. Et il y a aussi, bien sûr, du fromage et des oignons. Et des purées de beans. Et de la purée de beans aussi. Et ça, c'est une version au poulet. Et Sandrina, elle a pris une version aux crevettes. Là, on a trouvé un restaurant à Touloum, la Coqueta. C'est la deuxième fois qu'on vient, c'est excellent. Deuxième journée à Touloum, il est 9h du matin et on va visiter un cénote. Alors ce cénote, il est tout proche de la ville, il est à 1 km seulement. On est toujours sur nos vélos. C'est le cénote Calavera. Ce qu'il y a de spécial avec ce cénote, c'est qu'il y a des trous dans lesquels on peut sauter. Ça va être pas mal. J'ai l'impression de faire du vélo sur une autoroute. Ouais, alors là, on est en train de faire du vélo pour aller dans un beach club à Touloum. Donc on est dans la zone hôtelière. Et c'est vraiment pas terrible. Hein. Il y a vraiment beaucoup de voitures, la route est dégueulasse. Ça croise pas. C'est un peu dangereux en fait. Il n'y a pas de piste cyclable prévue. Et puis les voitures passent très proches, la route est en mauvais état. C'est vraiment mal fichu, c'est vraiment pas agréable. Hein. Bon, on est bien arrivé au beach club. Alors c'est magnifique, bon la météo elle est pas incroyable, hein. Mais on est allongé là, comme des rois, on va se faire servir à manger et à boire, et on va passer l'après-midi là. En fait Touloum, je pense que c'est une destination pour faire ça, mais c'est vraiment une destination où on vient pour une semaine dans un hôtel très cher, et puis on profite de cette superbe plage. Et en gros c'est à peu près ça qu'il faut faire, sinon c'est un peu compliqué à visiter. Bon, il y a quand même 2-3 sites alentours qui sont très beaux, hein. Mais la ville est quand même... c'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors là, on va profiter de notre beach club et on est au beach club Mia.
Alors on est à Puerto Morelos, donc c'est à 30 minutes au nord de Playa del Carmen. Et on est venu là parce que c'est un endroit où le récif corallien est apparemment bien préservé, donc on est venu faire du snorkeling. Mais c'était pas incroyable, la visibilité elle est un petit peu réduite parce qu'il y a pas mal de sable dans l'eau. Mais c'était quand même très joli. Ce qu'on retrouve aussi au Mexique, c'est les enchiladas mole. Alors c'est quoi exactement ces enchiladas mole? C'est des espèces de petites crêpes fourrées. Celles-ci, elles sont fourrées au poulet. Il y a du fromage par-dessus aussi. Moi, j'ai pris des tacos. Alors j'ai des tacos de poisson frit et des tacos de crevettes frites. C'est la première fois que je prends des tacos de poisson frit et c'est vraiment super bon. Et maintenant, on va aller à Punta Esmeralda, un peu plus au sud. Parce que, en fait, hier, on est arrivé à Playa del Carmen. Et Playa del Carmen, c'est vraiment une destination ultra touristique. Et les plages sont pas très belles. C'est vraiment rempli de gens. Et c'est un petit peu dénaturé. Il y a plein d'hôtels partout. Donc, on essaie de trouver des coins un peu plus sauvages, un peu plus naturels et des plages un peu plus belles. C'est parti !